Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons parler du challenge Mars au féminin. C'est un challenge qui est organisé par Flo & Books. Je vous mettrai le lien de son Instagram dans la barre d'infos. Pour le coup, je vais vous présenter ma petite pile à lire qui n'est pas énorme parce que j'ai beaucoup de mal à tenir mes challenges. Je voulais absolument vous présenter celui-là. Tout simplement parce que je ne savais pas qu'il existait, je l'ai vu par hasard sur la vidéo d'Amélie. Et au moins vous savez qu'il existe, vous savez qu'il est là et je pense qu'en tant que femme, c'est très important de nous rendre hommage et rendre hommage au féminisme. Nous avons une catégorie qui est biographie et j'ai choisi la biographie de Circé de Madeline Miller. Circé, le mythe grec. J'avais très 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 envie de le dévorer il y a de ça quelques jours parce que je l'ai reçu et c'était un livre qui me donnait tellement envie. Je le vois un peu partout et il n'y a que des avis dithyrambiques et vraiment il me fait fort envie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là pour cette catégorie. Ensuite, nous avons également la catégorie lire un classique. J'ai donc pris Jane Austen Persuasion puisque je ne l'ai toujours pas sorti de ma palle et il faisait partie de ma palle du mois de la romance, donc j'espère pouvoir le sortir au mois de mars. En troisième catégorie, il fallait choisir un essai et j'ai choisi l'essai de La femme mystifiée de Betty Friedan et nous nous retrouvons en 1963. C'est plusieurs entretiens et plein d'enquêtes, c'est la journaliste féministe Betty Friedan. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, excusez-moi, qui en fait se rend compte que loin de la plénitude de la femme au foyer célébrée par l'American Way of Life, la femme noie ses frustrations intellectuelles, culturelles, sexuelles dans l'alcool et les psychotropes, réduite au rôle de procréatrice silencieuse par un système patriarcal, sournoisement oppressant, elle est coupable d'être malheureuse dans une société qui prétend tout faire pour la combler. J'ai trouvé ça vraiment... J'ai lu le résumé, j'ai dit waouh, c'est vraiment intéressant. Et en plus, je pense que vers la fin, on va voir comment ça se répercute sur nos jours actuellement, en fait. Et j'ai très, très, très envie de le lire. Et je pense que je vais l'attaquer directement avec les deux jeux. Début du mois, là, début mars, j'attaque Circé et j'attaque celui-là en même temps. Ensuite, il faut lire un thriller et j'ai sorti mon ami Adèle puisqu'il fait partie des 21 livres que je dois lire en 2021. Et j'ai entendu aussi plein de très très bonnes critiques. Je me dis pourquoi pas, on se retrouve avec un récit à plusieurs voix. Il y a Louise qui est mère célibataire et qui couche avec son patron. Elle se rend compte que c'est pas bien du tout, du tout, du tout. Et d'un autre côté, il y a son patron qui lui tombe amoureuse de Louise. Et d'un autre côté, il y a sa femme Adèle qui veut absolument être l'amie de Louise et on ne sait pas pourquoi. Mais il y a également, c'est de Béa Paris, Derrière les portes, c'est un thriller domestique je pense puisque nous allons nous retrouver avec un couple qui est tout le temps ensemble en fait. C'est un peu l'image du couple parfait mais on ne voit jamais Grace sans Jack et on se demande pourquoi en fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça et ça me dit plutôt bien, j'hésite vraiment entre les deux, alors si j'ai le temps, je dirais les deux, d'autant que vous savez que maman et moi, les thrillers, on est très très bons copains, n'est-ce pas? Ensuite, il faut lire un livre qui est un classique du féminisme et j'ai choisi Une chambre à soi de Virginia Woolf. Virginia Woolf, c'est une autrice que j'ai très 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 envie de découvrir et ce petit ouvrage de 170 pages, je pense qu'il va être juste parfait. Et en dernière catégorie, il faut choisir un livre avec des faits d'actualité. Et j'ai donc choisi Le voile de Téhéran de Sanieh Parinouche. Pardonnez-moi pour la prononciation. Là, nous allons retrouver avec Massoumé qui a 16 ans, qui n'a qu'un désir, c'est poursuivre ses études. Mais en fait, elle va avoir un petit chéri, comme à son âge, mais très, très, très innocent. C'est un amour très innocent. Ses frères vont être au courant et vont vouloir la marier de force, ce qu'elle va faire. Mais par la suite, elle va se rebeller. C'est un témoignage, c'est une histoire vraie. Donc hâte de m'y plonger. Ça va bientôt faire un an qui est dans ma palle. Parce que je l'ai acheté cet été, donc il serait peut-être temps que je le sorte et je pense que j'ai pas d'excuses. Si j'ai le temps et si le cœur m'en dit, je lirai également deux ouvrages qui pour moi sont des ouvrages féministes. Nous avons d'abord Vox de Christina Dalce, publié aux éditions Nil. Et là, nous nous retrouvons avec Jean Mac...
McLean, qui est docteur en neurosciences. Et en fait, un jour, le gouvernement a décidé de faire taire les femmes. Elles n'ont droit qu'à 100 mots par jour et pas un de plus. Un membre du gouvernement, ou c'est le président carrément, qui fait une attaque et il va demander à cette docteur de venir les aider, et en contrepartie, elle aura le droit de parler, de retrouver l'usage de la parole autant qu'elle le souhaite, ainsi que sa fille. Et donc elle va accepter et elle va se rendre compte que derrière tout ça, il se cache pas mal de choses. Donc voilà, réduire les femmes au silence, je pense qu'il n'y a pas plus féministe que ça. Je sais que il est paru... attendez, je vais regarder de quand il est paru. Il est paru en 2019. Mais voilà, moi, je l'ai découvert que maintenant et j'en suis très, très contente. Il y a également Le silence des vaincus de Paige Baker, publié aux éditions Charleston. Et là, nous allons nous retrouver avec Briseis pendant la guerre de Troie, qui vient de Rennes et passé à esclave. Et il est dit, en fait, derrière... avec elle, après 3000 ans de silence, ce sont les voix de toutes les femmes laissées muettes par l'histoire qui s'élèvent. Esclaves, prostituées, guérisseuses, effacées au profit des faits d'armes des guerriers. Voilà, c'est un livre également que j'ai envie de lire et que je pense parle de féminisme, tout simplement. J'espère que de votre côté, vous essaierez au moins de lire un livre d'une autrice, ou peut-être même participer au challenge, ça vous fait comme vous voulez. Moi, ça me tient particulièrement à cœur d'y participer. Je pense que c'est le challenge où je vais me donner le plus à fond. Comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien de Flow & Books dans la barre d'infos. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et surtout, prenez soin de vous.